Donc pour la maintenance du filtre Big Duo, Big Duo Aragon, donc en fait on a deux cartouches, un pré-filtre sédiment et la cartouche Aragon. Donc le pré-filtre sédiment à changer une fois par an et l'Aragon tous les 30 000 litres ou tous les 6 mois. Alors en premier lieu, on utilise les deux vannes, donc la vanne d'arrivée, la vanne de sortie qu'on ferme. On ferme pour isoler le filtre, on purge, on appuie sur le bouton de purge ici, et ensuite on démonte le bol, on le dévisse, voilà. Donc y a de l'eau dedans hein, bien sûr, et donc là on peut changer le filtre et le remettre en place. On fait juste un petit quart de tour avec la clé, enfin même pas à peine. Voilà, pareil pour l'autre cartouche. Donc ça c'est la cartouche Aragon, elle est jaune parce que c'est la version eau dure pour les eaux très calcaires. Et donc une fois qu'on l'a changé, on revisse le bol. Et on peut remettre en eau. Alors pendant la maintenance du filtre, sur cette installation là j'ai mis un bypass, donc là le bypass était ouvert, donc ça veut dire qu'on peut utiliser l'eau sans passer par le filtre. Là je vais remettre le filtre en eau, du coup je coupe le bypass. Je réalimente le filtre. On voit que la pression monte, donc, vu qu'on est avant le réducteur de pression, là on voit qu'on a un petit peu moins de 5 bars de chaque côté. On purge jusqu'à temps qu'il y ait un petit peu d'eau qui coule. Et ensuite on ouvre la vanne qui part sur le réseau et là le réseau est alimenté. Et donc pour savoir quand changer les filtres, on a une petite magnette à mettre sur le frigo, où on peut mettre la date à laquelle on a changé les filtres.